wonu wadma to wadma ngasu to nebe amangasu to Senegal mi ko yoyo mo na amangasu to ma khale fa tebanu kobri ne yira alo di me na kama perdi perdi i gasai i masama khale fa la 500 francs gasa perdi perdi et na ka 1 million kire so to ma i masama hé bagbo bagbo nye kodowa amangasu to ka ka ndona koloma na mangasu to ma parce que to bouk mangaya finna nana to kasu to ko hé mali menge na kam ba khre lidé ya Boubacar Keïta ibeka e vote ma veler na kam ma kire na na ka député ra a kire na na assemblée député a kire na sa ko kolo kire akun kole kere nan nana hanki abarabu manga ya fena kona sutone president sidi atore manga sutone de la gine wa mana pro wa mana nan fala fe wobe wo ga siga wo ga sa yaba wo siga wo sa yaba wo mbe wo sa yaba non na yaba ki na re mir fore eh wodi ade mi ko fore fa fa la ni fe ya ba ba fa fa la uhu ka fa la uhu abara me yandi wo siga wo sa ya ba na kan ya ba fe ki wo siga wo sa ya ba yandi alban ne be ne resi ki so ko yi he mi rin de nana khala fe to bu fe ma fa la be kan ma rama to ma lagina kabira toroi ato daga nomo manga strode lagina daga president sidi anara abira toroi ko na fa wo manga sika wo sa fa libe wo structure do fi nana ma wo ka sika wo ka sa fa libe wo ka fa libe na wona tombi wona dama mandine nan dangi wo fa fe election fi nana ma election fi élection fait wo matombi sagande na naki élection élection frinando woyé kono hanya élection na kanda bari amunu dogode ne ré généré et munu dogode ko so kuyé ba wo ma mi ré ne ré généré wo ma communé kuy mutang boyé tir tené mugu moye do ko tene pe wutan mugu do ko ma ah na wayi bara mugu tolo pe wutan mugu do ko ma wa ko lo wayi nan nakki khayso na sensife akuya akutilinde kono election bete man nana ne re fa man na wo saji bu maya bar député tan ne tam ma manda bara yon abara yonde ah député ramang dabara yon chronogramme bara fala wotul mati yandi wotul mati fasakhli élection législative député doroy araba mané janvier wotul mati de janvier araba mané député doroy nandaki wonama kotiba septembre neki a kikere neki to ka octobre nya novembre ka décembre ka nani ki kenan na lugu pe wota ki kenan na lugu fe na kama ambarali ambarali awana na to to wonda mane wotul matide yife firin yebirin do koy borna na structuration structure de refait organiser de refait à nos élections fait et donc et pour nana n'a pas l'air ou bien nana ma n'a qu'à structure de refait et donc on est vous n'a gagné l'élection quand on a une élection qui m'a ou n'a qu'à ça ou ma structure écoutez à me samadé à me sama n'a qu'à élection qui m'a yat ou n'a qu'à l'oeil et n'a parti n'a même élection qui yama ou n'a qu'à ça ou ma structure ou me regrette samadé ah wo mbe gbet sama awana fanga na fara wo be yanni albande be won siga
wolu siga woka kolon élection législative nakan tam programme xi jatt seni yira programme nakan na falaxi nan nak janvier na nan baye bar won na xay élection tan amuma bile mabe amuma bile ma présidentielle fan et na xana fan na ba mané 2020 on n'a pas fait 2020 2020 2020 on n'a pas fait présidentiel n'en a qui n'en est capable on soude et par on soude à nous 2020 à falloir on dé 2020 2020 falloir on dé qu'on a fait n'a qui 2020 wala won tambar redi mbara ya ba ho bebe ya na fe ma won rande ki na ka se ma ni ma ben ben won tamma ben ben dan ben ben manga ya tam ben ben won wala mere won ka manga sta ben ben won tan manga ta sno ma ben ben be be la gnebe ben ben journaliste wa sa ba de won man ka fala won na ka yi affaire na ka ben ben et na manga sta. Oui. Oui. Nandangi, ou ma bilette naki. N'a pas la grande manaka ven ven, ou n'a pas gaz toma. Oui, bilette mato. Ou bien gamato. Ou amato ka. Serre yamou dangi maïra. Arayamou de ka. Et ni fatou et tangoumara karam. Akaram quoi libarisou. Awa 2020 won 2020 na ya la fe 2020 voilà tanaya wo ma bil tan neki wo bi nga batu wo ma bil tan yu affaire ha bil tan wo ma to de wo bil tan bi na matu wo ma to enu bore kirim mara fe ah khal kharan tarina ra kharan kai nta mane wotana lamma wo place tongo atongode mangaya miri malume be ima ba manafira ala ku rasoto awa guiné wo kedi c'est important que cela soit. Donc j'ai dit aujourd'hui tous ceux qui sont conscients, tous ceux qui aiment la Guinée sont en train de venir à l'UFR aujourd'hui. Tous ceux qui aiment le pays, qui veulent que le pays se développe, que le pays s'en sorte, ne regardent plus leurs cousins, ne regardent plus la famille, ne regardent plus leurs régions, sont en train de venir vers l'UFR pour que 2020 soit pour nous. Tous ceux qui aiment la Guinée, nous les appelons à la bonne conscience. Qu'ils viennent avec nous pour faire en sorte que la Guinée s'en sorte désormais. Venez à l'UFR, venez travailler avec Sidia, venez faire en sorte que Sidia fasse que la Guinée soit pour les Guinéens. Je vous remercie. C'est la fin de l'Assemblée Générale du côté de l'UFR, pleine d'ambiance. Vous avez écouté les différents discours. Ce que nous allons faire, c'est de poser des questions de précision. C'est le moment de l'interview politique. Notre émission se poursuit politiquement correct, cette fois-ci avec un responsable de l'UFR. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour. Alors, honorable député, vous êtes président de la jeunesse, hein, je crois, oui, de l'UFR. De l'UFR, oui. Président de la jeunesse. Jusqu'à présent, voilà. Les adultes accompagnateurs, le terme c'est mieux, non? Oui, d'accord. Alors, on va parler un tout petit peu de l'actualité. Il y avait des réformes au niveau de l'UFR. Ça avance? Oui, effectivement, ça a beaucoup avancé. Nous avons clôturé d'ailleurs la réunion du bureau exécutif à valider la restructuration. Nous allons bientôt envoyer nos équipes à l'intérieur du pays pour faire le travail de terrain afin de remobiliser la base. Alors,
On va parler d'actualité. Aujourd'hui, c'était quand même l'assainissement, une journée d'assainissement. Les militants de l'UFR, vous avez participé? Effectivement, j'ai même été au niveau de la minière. J'ai rencontré le ministre de la Communication qui faisait le travail. Il y a beaucoup de citoyens des Guinéens, des militants de l'UFR qui ont participé. Et ce qui est clair, c'est que la campagne... Vous croyez que c'est une bonne solution pour nettoyer Conakry? Évidemment, si ça ne doit pas durer quelques mois, pour informer les gens, les éduquer, les amener vers cette situation, la sensibilisation des citoyens pour faire le nettoyage devant leurs portes, c'est important. Mais au-delà de ça, il est important que l'État trouve moyen de réfléchir autrement. Comment faire en sorte que la ville soit propre, notamment bloquer les citoyens dans leurs activités, parce que ce n'est pas tout le monde qui ne travaille pas les samedis. Et ça serait encore un coup, ça donnera un coup à notre économie. Donc il faudrait mieux voir les aires creuses dans lesquelles les populations, ou bien nous allons pouvoir ramasser les ordures à Conakry. C'est-à-dire entre 0h et 6h du matin, très bien indiqué. On ne réinvente pas la... Vous pensez donc qu'il y a des failles dans cette façon de faire? Effectivement, je dis n'est pas mauvaise, mais la... Si c'est la campagne, et que la campagne doit s'arrêter à un moment pour passer aux choses sérieuses, parce qu'actuellement, c'est de la... Vous pensez que ce n'est pas sérieux? Ce ne sont pas les choses sérieuses, cette campagne-là? Écoutez, dans la sensibilité, je dirais que pour sensibiliser la population, c'est sérieux. Si c'est la passe, la campagne de sensibilisation, elle est sérieuse, mais passer cette étape, il est important que le gouvernement réfléchisse d'une autre manière. Je donne mon idée. À mon sens, aujourd'hui, entre 0h et 6h du matin, on peut arriver à nettoyer la ville de Conakry, on peut mobiliser le matériel nécessaire et le personnel nécessaire pour pouvoir nettoyer la ville de Conakry, pour permettre à ceux-là qui ont du travail le matin, le samedi. Aujourd'hui, j'ai été bloqué moi-même en tant que député de l'Assemblée. Je suis en session parlementaire. Je ne pouvais pas être à l'Assemblée pour faire le rapport de ma commission auprès de l'Intercom. Vous comprenez? Justement, vous... C'est pour vous expliquer le tort que ça peut causer et le retard que ça peut causer dans le processus de développement de notre pays. La transition est toute faite à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas voté quand même la loi rectificative, la loi budgétaire rectificative, hein, la LFR. Dans son volet recettes. Oui, parce que nous avons constaté la baisse des recettes de l'ordre de 10,3%. Et nous avons essayé, pour quelqu'un qui projette une croissance à 8%, nous avons dit que celui qui a quitté avait laissé une projection. Et si vous ne pouvez pas le dépasser, il faudrait quand même l'atteindre. À notre avis, que le baisse de ces recettes-là pose un problème dans notre pays. C'est qu'on ne maîtrise pas l'assiette fiscale, on n'arrive pas à gérer l'évasion, on n'arrive pas à gérer, les détournements, et on n'arrive pas... Est-ce que ça veut dire, en une phrase, est-ce que ça veut dire tout simplement que l'ancienne primature était plus forte que celle de maintenant? En tout cas, dans la logique de ce qui se présente, nous sentons qu'il y a baisse, alors que l'autre avait un niveau un peu... Donc Mamadi Yula plus fort que Kassori Fofana jusque-là, c'est ça? Non, je ne fais qu'un constat. Oui, c'est ça le constat, à travers la loi des finances. J'ai dit, voilà, à travers la loi des finances, qui est l'expression chiffrée de la politique d'un gouvernement. Cela dit, nous avons la croissance qui baisse, nous avons l'investissement qui baisse dans le bottin, et nous avons les recettes qui ont baissé. Cela détermine ce que représente le gouvernement. Donc le gouvernement n'a pas évolué et donc nous sommes dans cette situation-là. Malgré l'augmentation de 25% du prix du carburant. Malgré l'augmentation du carburant en plus. Voilà. Donc, merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Politiquement correct, nous poursuivons notre émission cette fois-ci avec honorable Dafé. Vous l'avez certainement remarqué au niveau de la tribune et surtout son introduction. C'est ce qui m'intéresse, honorable. Votre introduction. Vous êtes exaspéré, vous êtes énervé par l'embouteillage qu'a causé le nettoyage de la ville de Conakry. Ouais. Non, mais vous-même, je crois que j'étais dans le même fil que vous. Il a fallu que vous empruntiez des labyrinthes pour vous pouvoir ressortir votre tête de l'autre côté. Mais je crois que vraiment, si le nettoyage de la ville est programmé pour le week-end, de grâce qu'on trouve des moyens
pour faciliter après 11 heures pour que les gens puissent circuler. Mais on finit, on libère la route à 11 heures. Nous venons à partir de Yimbaya. C'était vraiment le calvaire. C'est en pleine journée, on est en train de faire les travaux du pont de Gbessia. Et la déviation se fait à quel niveau? Il faut rentrer dans le marché. Mais des choses comme ça, les femmes qui sont au bord de la déviation, on devait les dégager. Mais vous voyez, non seulement c'était restreint, mais les femmes sont encore là dans le cas où on aurait eu le pire. Qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tout ça là, dans cette campagne là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je te dis, c'est une question d'organisation. Une question d'organisation qui n'a pas fonctionné. Parce que moi, je m'imagine à des heures de pointe comme ça, où au niveau d'un marché, on doit faire les travaux en plein jour. Et après un arrêt de la circulation de 6 heures à 11 heures, mais là où on doit faire la déviation, ça devait être sécurisé. Et toutes les dispositions devaient être prises pour dégager ces femmes-là pendant cette période-là, pour que les femmes rentrent à l'intérieur du marché et non pas rester encore au niveau du petit passage qui était là pour permettre aux véhicules de circuler. Mais vous savez quand même que les femmes, vous représentez les femmes bien sûr, mais vous savez que les femmes, elles n'acceptent jamais d'être dans le marché. Non, c'est parce qu'on ne les a pas intimées de quitter. C'est circonstanciel. Donc on pouvait leur expliquer qu'elles doivent quitter, aller à l'intérieur, libérer la route. Hein? C'est une déviation pour 2 ou 3 jours au maximum. Elles vont l'accepter. Mais si on ne prend pas le temps pour aller leur expliquer, mais c'est des problèmes. Très bien. Néanmoins, vous êtes arrivé quand même à temps à l'Assemblée nationale, même si avec un léger retard. Oui, comme disait, j'ai pu chafaine quand même, j'ai pu être là à temps. Hein? Il n'était pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci honorable l'interview. Politiquement correct, comme d'habitude, toujours dans votre émission, honorable Ibrahima Bangoura, qui est vice-président du parti, qui préside souvent les assemblées générales de l'UFR. Et c'est avec lui que nous allons poser nos questions de précision. Nous allons décrypter le discours qu'Honorable a tenu quand il était sur la tribune. Honorable, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a écouté en sous-sous. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu d'abord des critères que vous avez énumérés qui font que le président Sidy Touré deviendra président de la République. Donc, le président de l'UFR, Sidy Touré, deviendra président de la République en 2020. Et vous avez dit de façon inéluctable. Vous avez vos critères à vous. Expliquez-nous. Vous avez tout à fait raison. J'ai dit que le président Sidy Touré, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas président en 2020. D'accord. Oui, qu'il y a toutes les chances pour qu'il soit président de la République en 2020. Parce qu'il y a un certain nombre de faits que j'ai cités. D'abord, le premier fait, c'est que c'est quelqu'un de très compétent qui a fait la preuve de sa compétence quand il a dirigé la primature dans ce pays, en 1996. De 96 à 99. 96 à 99. Ouais. Pendant ces 3 années, les Guinéens ont apprécié ce qu'il a fait. Mais pour nous, c'est l'Antiquité, hein, c'est depuis 96, ça fait 20 ans. C'est pas l'Antiquité, vous savez que le monde est fait du passé, du présent et de l'avenir. Effectivement. Alors, c'est le passé là qui a préparé ce présent et ce présent aussi prépare l'avenir. Très bien. Je suis d'accord avec vous quand même que c'est un homme compétent. Donc, il est compétent. Donc, nous sommes d'accord qu'il est compétent. Partant, je dis que puisque les Guinéens ont conscience qu'il est compétent, aujourd'hui, quand nous regardons le paysage politique de notre pays, c'est au plan de la sagesse même. C'est le leader qui est aujourd'hui le plus ancien dans le combat politique. D'accord. Voilà. C'est le plus vieux. Je dis le plus ancien. Le plus vieux. Il n'est pas le plus vieux, c'est le plus âgé alors. Le plus ancien. D'accord. C'est le plus ancien dans le combat politique. En tout cas, après le président Condé, le président Alpha Condé qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est Sidy a quand même l'homme politique. Je dis ceux qui n'ont pas encore accédé au pouvoir. D'accord. C'est le plus ancien, n'est-ce pas? Le plus ancien. Et j'ai fait la comparaison dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest ici
C'est-à-dire que tous ceux qui ont duré dans l'opposition en Afrique de l'Ouest et qui ont cherché réellement le pouvoir, à un moment donné, ils ont accédé au pouvoir. Ils ont eu le pouvoir. C'était le cas du président Wade, le cas du président Gbagbo, le cas du président Ouattara, le cas du président Boubacar Ibeka du Mali actuellement. Du Mali. Donc voilà, j'ai cité cela. Il y a des opposants aussi qui ne sont jamais venus au pouvoir. Hein. Il y a des opposants qui sont morts, qui ne sont pas venus au pouvoir. Ils ne sont pas venus au pouvoir, mais ils n'étaient pas tellement remarquables. J'ai parlé des opposants vraiment remarquables. D'accord. Ceux qui étaient remarquables. Vous conviendrez. Dans la sous-région. Dans la sous-région. Vous conviendrez que tous ceux que j'ai cités, ce sont des opposants qui étaient des opposants remarquables dans leur pays. Et aujourd'hui, l'opposant le plus remarquable, par tous les critères que l'on peut imaginer, c'est le président Sidya Touré. Très bien. Voilà. Et vous avez dit que c'est également, l'UFR, c'est le plus vieux parti maintenant, après le RPG Arcas. Absolument. Absolument. Et là, vous avez attaqué un peu l'UFDG, non? Non, je n'ai pas attaqué. Vous avez dit l'UFDG, c'est un parti jeune. Il n'a que 10 ans. Je n'ai pas dit que l'UFDG est un parti jeune. J'ai dit que sur le plan de l'ancienneté, l'UFDG n'est pas aussi ancien que l'UFR. Ce qui veut dire que l'UFDG n'a pas d'expérience, c'est ça? Le parti UFDG n'a pas d'expérience. Non, l'UFDG a de l'expérience, parce que 10 ans, c'est de l'expérience. Alors en quoi ce critère est vraiment fondamental, que l'UFR soit plus ancien que l'UFDG? L'UFR est plus ancien que l'UFDG parce que nous, si vous prenez notre parti existe depuis 1982. Existe. Et l'UFR existe depuis 1992. L'UFDG, c'est depuis 2007. Hein. Depuis 2007. Donc, vous voyez. Donc encore une fois, ce que vous ne dites pas, l'UFDG n'a pas d'expérience, c'est ça. Comme le BEL, comme le PDN, comme tous les partis qui sont nés après l'UFR. Je dis, ce sont des faits. Moi, j'ai énoncé des faits. Des interprétations, je vous laisse les faire. Mais vous savez, nous, on comprend ça. On comprend ce que vous dites, hein, mais surtout ce que vous ne nous dites pas. Ah, c'est à vous d'interpréter. Moi, je donne les faits. Ça, c'est un fait, n'est-ce pas? Très bien. Donc, inéluctablement, le président Sidya devient président? Le président Sidya Touré deviendra président de la République parce que je pense que les Guinéens ont compris qu'il faut que ça change réellement. Mais les dernières élections n'ont pas montré ça. Les dernières élections, vous avez été obligé de négocier pour avoir Matam, là où se trouve votre siège. J'ai pris l'exemple de Ibeka. Lorsque Ibeka venait au pouvoir, ça c'est récent, hein? Ça ce n'est pas antique, n'est-ce pas? C'est récent, tout le monde l'a vu. Il était le seul député à l'Assemblée nationale de son parti. Mm-hmm. Le seul. D'accord. Il a gagné les élections. Ok? Donc allons-y. L'UFR gagnera les élections en 2020. D'accord. Parce qu'en 2020 également, l'UFDG veut gagner les élections, le PDN veut gagner des élections, tout le monde, tous les partis politiques, même Faye Amelimono veut gagner les élections en 2020. Bien sûr, on vote un homme. La présidentielle, à la différence des autres élections, c'est qu'à la présidentielle, on vote un homme. Tout le monde connaît aujourd'hui le président Sidya Touré. Donc cet homme-là, c'est celui-là qu'on va voter en 2020. Et je pense que les Guinéens ne vont pas se tromper. D'accord. Mais en attendant, les dernières élections, je reviens là-dessus, n'ont pas fait cadeau à l'UFR. Les dernières élections, ce sont des élections communales. Donc ça ne mesure pas le poids de l'UFR. Non, ça ne mesure pas le poids de l'UFR. Et d'accord, puisque là, vous n'avez pas gagné beaucoup. Ça ne mesure pas le poids de l'UFR. Ça ne mesure vous vous en servez quand c'est possible. Non, ça ne mesure pas le poids de l'UFR. D'accord. Vous avez quand même attiré l'attention sur quelque chose. Ce n'est pas le développement du pays. Vous avez dit pendant 60 ans, le pays semble n'avoir pas bougé. Vous avez donné un exemple à Kaloum. Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que c'était? Non, j'ai dit que j'ai regardé les images. Lorsque De Gaulle est venu ici en 1958, le 25 août 1958, il y avait des flaques d'eau à des endroits à Kaloum que j'ai vu sur les images. Et jusqu'ici, 60 ans après, ces mêmes endroits existent avec les mêmes flaques d'eau quand il pleut. Je dis, cela dénote du fait que nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas beaucoup fait. Il faudrait que cela change. Il faudrait que le pays change. Et le président Sidya viendra pour que la Guinée change complètement.
Ça ne m'étonne pas. Hein. Pour que la Guinée change. Que ce soit Sidia. Donc sans Sidia, la Guinée ne change pas. Non, je dis que la Guinée, ça n'a pas changé. Ces flaques d'eau-là sont toujours là. Il faut Sidia pour que la Guinée change. On va aller, je vais vous les montrer. Est-ce qu'il faut Sidia pour que ça change? Je pense qu'avec lui, ça va changer. Sans lui, ça ne changera pas. Sans lui, je n'ai pas dit que sans lui, ça ne changera pas. Mais je dis, en 2020, il viendra pour que la Guinée change. C'est la fin de cette interview, Honorable. Merci de nous l'avoir accordé. Merci. On dit souvent qu'un bon discours politique est celui qui émet des idées avec lesquelles tout le monde est déjà d'accord. Et ça, vous l'avez déjà compris ici. Nous sommes toujours au siège de l'UFR. Vous avez suivi l'ambiance, les discours, mais surtout l'interview politique, politiquement correcte. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité. C'est lui qui rend le meurtre respectable. Et l'homme politique, lui, il est capable de représenter son intérêt égoïste pour l'intérêt général. Mais ça, vous le savez déjà. C'est pourquoi c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Était derrière la caméra avec moi, Amara Alex Silla. Mamad Ali Ouba était avec Macky Sow du côté de l'UFDG. Et Alassane Diallo a assuré le montage. Vous le savez, nous les journalistes, nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques. Mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. En attendant donc la semaine prochaine, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Au revoir.